Salut les gars, enfin on se retrouve sur le 450 après un mois d'absence en termes de vidéo, mais sinon j'ai été absent avec Ben pendant 3 mois. Enfin, je veux dire, moi j'ai pas fait de côte pendant 3 mois. Je vous expliquerai au cours de la vidéo ce qui s'est passé exactement. Et là les gars, on va vous montrer le terrain, l'état. Je pense que vous êtes pas prêts. On peut dire que c'est un terrain abandonné. Oh là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh. Oh mon Dieu. Mais ouais. Oh là là. Oh mais j'en reviens pas. L'état du truc. Ah. Je sais pas si, attends. Non, c'est même pas dans ce sens là qu'on le prend normalement, ça va là. C'est triste. Petite 125 TC les gars. Donc je vous disais, le terrain, on a fait plein de modifs dessus, on vous en a déjà parlé. Sauf que comme j'ai pu, moi le quad, j'avais pu, vu qu'il y avait des problèmes, et tous les autres ils roulaient pas, donc voilà, on se retrouve avec ça. Va falloir passer un coup de débroussailleuse, tout ça. Bref, c'est tout là. On avait prévu de faire une cabane, on a toujours pas fini. Regardez moi ça les gars, petite ski. Belle comme tout. Petite ligne HGS. Très beau. C'est beau. Il a tout mis bien, le code est là. On est très très bien. Bon, on reprend. On va se refaire quelques tours de terrain les gars. Des coupes, oh bah, comme ça.
trop à droite celle-là. Oh. Je dois vraiment plus avoir beaucoup, c'est pas possible. Pourtant si, ça va. Enfin, ça va. Ça m'énerve. Yo les gars, alors là on se retrouve dans mon garage, je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé avec le quad. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi tout ça, je vais vous rappeler ce qui se passait. Le quad, quand je le faisais chauffer en position neutre, au bout de 30 secondes à peu près, il calait. Ensuite, quand j'essayais de démarrer, il calait. Et les fois où je démarrais, j'avais des trous d'air. Donc là, normalement, vous venez de voir une partie de la sortie que j'ai fait une fois que j'ai récupéré le quad et qu'il avait été censé être réparé. Et comme vous avez pu le voir, les trous d'air sont revenus. Je remettrai le passage pour ceux qui n'ont pas remarqué ou qui ont passé. Et donc... j'ai ramené le coach Yama une deuxième fois et ils ont trouvé le problème grâce à un peu moi. J'ai un peu réfléchi sur depuis quand j'avais ce problème là, etc. Et quelle en aurait pu être la cause. Donc je vais vous expliquer. Donc j'ai amené le coach Yama une première fois et ce qu'ils m'ont trouvé en première panne, c'est sur mon injecteur. Ici vous avez un starter automatique, c'est cette pièce là. Cette pièce là, donc il est automatique, il y a un capteur, c'est pas une tirette comme on peut avoir sur les carbus ou sur d'autres injections. Donc là, ça c'est mon starter automatique. Cette pièce là était en panne. Enfin, ils ont trouvé que, enfin, avec leur diagnostic et le mécano, les tests et tout, ils ont vu que ça, mon starter là, ne marchait plus. Donc le truc c'est que j'aurais pu racheter juste cette pièce là. Mais cette pièce-là, elle se vend pas chez Yamaha. Donc, ils vendent que le corps d'injecteur complet pour avoir cette pièce-là. Sauf que le corps d'injecteur complet, c'est 600 euros. Moi, j'avais pas les moyens de mettre autant, donc j'en ai pris un d'occasion. Complet avec le starter, évidemment. Donc, que j'ai payé 225 euros. Ils l'ont testé, il marche et tout, nickel. Et ensuite, ils se sont rendus compte que mes faisceaux électriques chauffaient. Donc cet injecteur là il marche, tout est ok, il y a juste ça qui fonctionne pas, donc ça je vais le revendre en précisant évidemment que le starter ne marche plus. Si c'est quelqu'un qui est embêté avec son injecteur, bah, il aura juste à récupérer son starter sur son ancien. Voilà. Sinon tout est fonctionnel hein, sur mon injecteur, hein. Tout est bon. Là vous avez même un capteur de pression d'air qui vaut 220 euros. Là je le donnerai avec quoi. Donc je veux dire... je vais pas le mettre trop cher et je trouverai bien quelqu'un qui en voudra. Donc ils se sont rendus compte que mes faisceaux chauffaient électriques. Ils se sont rendus compte que c'était à cause du Komodo. En testant avec un Yamaha, vu que ça c'en est pas un Yamaha, ça c'est un truc à 20 euros. J'ai regardé sur internet, 20 euros. Ça s'adapte sur tout modèle, mais bon, c'est un peu de la vacherie quoi du coup. De toute façon, ça se voit rien qu'à la matière. Déjà, il n'y a pas de position éteinte pour les feux, ça m'embêtait. Il n'y a pas de démarreur, moi c'était sur le klaxon, enfin voilà, pas plus mal que j'ai changé. Donc en testant, en mettant un Komodo Yama, ils se sont rendu compte que les faisceaux ne chauffaient pas.
Alors qu'avec ça, celui-ci, mes faisceaux chauffaient. Donc ils me l'ont changé. Et ils m'ont mis tous mes faisceaux conformes. Donc, j'ai été récupérer le quad. Je suis allé rouler la vidéo que vous venez de voir. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des trous d'air et ça s'est aggravé. Et puis voilà, on s'est retrouvé avec le même problème. Donc, j'ai ramené, il m'a dit, oh, nanana, mon mécano, il pense que ça doit être un faisceau qui est dénudé ou un fil, quoi, et qui fait contact sur le cadre, tout ça. Donc, moi, j'ai réfléchi depuis quand j'avais ce problème-là et c'est depuis que j'ai fait un petit entraînement wheeling. Si vous pourrez retrouver la vidéo, je la ferai afficher à l'écran. Et en gros, dans cette vidéo, je fais une bavette, sans le vouloir, d'ailleurs. Donc, assez rapidement, ça a gratté. Et ma grab bar, il y a 4 vis, 2 de chaque côté. Il y en a 2 qui ont cédé. Et je me suis dit, en remontant, et comme j'ai mes clignotants d'accrocher à cette grab bar-là, je les ai bien serrés. En plus, vu que sur l'ancienne grab bar, sur l'ancien 450YFZ carbu, j'avais eu un souci, c'est que les fils des clignotants, je les avais mal serrés à la grab bar, donc ils étaient proches de ma cartouche, ils avaient fondu grillé mes clignotants arrière. Donc là, je les avais bien serrés, je me suis dit, à mon avis, avec la grab bar, quand j'ai frotté, j'ai dû tirer peut-être les faisceaux. Et donc, effectivement, ils ont cherché à ce niveau-là et j'avais un fil sur la boucle arrière, un faisceau qui était dénudé et qui faisait contact sur mon cadre ou la grab bar, je ne sais plus. Donc voilà, là j'ai récupéré le quad. En tout, j'en aurais eu pour dans les 700 euros, ça fait mal. Sachant qu'il m'a dit qu'on aurait su avant que c'était le faisceau, j'aurais pas eu besoin de changer tout ça. Mais malgré tout, j'ai changé l'injecteur parce que le starter était en panne. Donc voilà, c'est pas plus mal. Maintenant, c'est fonctionnel. J'aurai pas de problème plus tard. Et les faisceaux, ils chauffent plus. Ça m'évitera de griller d'autres capteurs ou autres, vu que c'était dangereux quand même. Il m'a dit ça. Voilà, c'est pas terrible. Donc, au final, il n'y a plus de réparation pour rien. Il n'y a eu que des choses nécessaires. Et le quad remarche. Ils ont vérifié mon jeu aux soupapes aussi, nettoyé mon filtre du réservoir. Donc là, il y a tout qui est OK, tout qui est vérifié. Je suis parti pour être serein. Donc voilà les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On va être de nouveau actif parce que ce qui se passe actuellement, c'est que Ben, lui, il ne peut pas rouler avec le LTR parce qu'il n'est pas dans le secteur pour ses études. Donc là, je me retrouvais tout seul et je ne voulais pas prendre son quad parce que voilà, je préfère. On a chacun nos quads, ça reste comme ça. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite. On va reprendre les vidéos avec un rythme soit de une vidéo toutes les 2 semaines pour être sûr de stocker de la vidéo et plus avoir ce genre de problème avec pas de vidéo pendant 5 semaines. On verra. Si on peut en sortir une par semaine, c'est le top, mais on va voir comment ça se passe. Donc si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur Instagram ou même dans l'espace commentaire. S'il y a des vidéos que vous voudriez voir, on va faire prochainement le LTR vs YFZR. Donc je pense que ça sera intéressant, on va faire quelque chose de plus poussé que la vidéo qu'on avait fait avec le YFZ. Et voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, je vous dis à bientôt. Ciao.